qui sentiment je dis à ou même ou rivé et youn nan magistrat commune Croix des Bouquets. Bien merci et avant tout moi t'as commencé et ça me pas un remerciement spécial à grand architecte de l'unité, à Dieu Tout-Puissant, l'homme qui est le pouvoir. Donc, je remercie en premier tous les parents, tous les amis, tous les collègues, les amis nous rencontrer de tous côtés. Pour nous remercier parce que c'est à cause des supports qui fait nous arriver à l'autre. C'est avec un sentiment de douleur que nous parlons. Clé commune, qui nous voit clé commune, parce que Croix des Bouquets sont communes très malades. Mais avec l'expérience que nous avons depuis l'école, parce que avant tout, formation c'est génie civil. Ça veut dire que nous connaissons qui s'acquiert les questions d'aménagement. Ça veut dire même nous en avons fait avec des gens, avec des jeunes qui travaillent, qui font travail, et nous avons qui ont des jeunes professionnels là-dedans. Et tout résultat, nous avons. Pour nous bailler, ça veut dire nous besoin de moyens, nous besoin de tracteurs, nous besoin de camions compressifs, nous besoin d'asphalte, nous besoin d'adoquins, nous besoin de gens de bailler, ça nous besoin. C'est pour raison ça que nous avons beaucoup de chapeaux pour les avec de classe qui ont choisi nous, qui ont désiré nous comme deuxième membre dans le cartel et commune Croix des Bouquets. C'est pour raison ça qui fait nous avons quelques demandes spéciales pour nous produire avec le président de la République. Parce que nous avons besoin de matériaux, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de jeunes filles, nous avons besoin de jeunes garçons pour nous travailler. Donc, nous avons une commune Croix des Bouquets. Nous connaissons qui c'est une commune qui est très sale, qui est très sale jusqu'à maintenant dans le palais. Parce que malgré l'effort qui est fait, nous avons besoin de plusieurs piles fatras dans chaque zone. En tant qu'agent de développement, donc c'est qui ça nous-mêmes nous prévoit faire, nous-mêmes, ou même y compris les deux, surtout magistrats et communaux. Bon, solution pas dépendre seulement de nous-mêmes. Alors, communaux sont aux communes. Problème est supposé aborder, j'en peux aborder de manière technique. Parce que nous sommes techniciens, problème FATRA va faire nous faire. FATRA, c'est gérer pour gérer FATRA. Aménagement. Communant, c'est ça qui priorité, c'est point ça qui priorité, c'est aménager communant, et puis gérer question transport en commun qu'a fait mal à la de manière désordonnée, côté nous besoin pour nous chiter avec toute organisation communautaire de base, toute autorité, toute institution, toute structure organisationnelle, toute structure étatique qui est dans la commune pour nous garder ensemble, qui gens nous sommes capables d'avancer pour nous réaménager la commune pour nous bailler la commune. Donc, nous connaissons des problèmes politiques, vraiment tragédiques. Qui pense que nous devons gagner en perspective, nous sommes capables de dire politique, pas grâce côté que nous connaissons chaque date. Nous nettoyons l'arrière, nous avons toujours occupé l'arrière avec la gare, nous le prenons comme un prétexte politique, et nous faisons ni la nuit ni la journée. Qui ça nous gagne en perspective, qui fera nous gagner dans l'agenda pour nous détruire le système politique? FATRA n'a pas de politique là-dedans. FATRA, pour ne pas faire FATRA, c'est pour ne pas exister. Pour ne pas faire FATRA, c'est pour ne pas exister. Pour manger, vous faites FATRA. Pour pipi, vous faites FATRA. Tout ce que fait pour tout ce que vous faites, pour faire ça, faut demander c'est une gestion. Ça veut dire c'est gérer des déchets. Parce que tu as un grand scientifique qui dit rien ne se crée. Vous comprenez? Rien ne se fait. Tout se transforme, faut lui-même lui demander pour lui transformer. Ça veut dire que c'est pour nous gagner une meilleure gestion, puis j'ai gérer des déchets. Est-ce que tu as un plan ça déjà? Bon, actuellement là, nous gagnons une équipe. Et nous-mêmes, ensemble avec deux autres et collègues, alors sont une belle équipe, nous bien, nous à l'aise, nous entendons, nous n'avons pas deux contre un, ni un contre un contre un. Alors nous-mêmes, nous arrangeons nous pour nous écrire, nous écrire des projets, comment nous frapper les portes des institutions étatiques, des institutions organisationnelles, et puis nous avons besoin de support aux organisations communautaires de base pour nous écrire, nous avancer, pour nous gérer les questions, parce que la question de salubrité à ces domaines, nous connaissons ce que l'assainissement, nous connaissons ce que les gestions de la cité, nous connaissons ce que les gestions de projets. Normalement, et magistrat, nous connaissons
quitter et commune pour quelques jours. Alors nous même nous pas dire ni c'est pour vous dire ni c'est pour les rêves, mais c'est seulement nous connaître dans quelques jours pour pas des élections. Est-ce que vous même en tant que agent intérim, est-ce que vous pensez que dans le cabinet, dans le cabinet, il faut des bouquets dans nos points d'abord. Bon, nous-mêmes, nous avons besoin de moyens. Ça, c'est le réseau. Ça, depuis que nous avons dit, nous avons besoin de camions. Nous avons besoin de camions compressifs. Nous avons besoin de bacs loaders. Nous avons besoin de tracteurs. Nous avons besoin de grédeurs. Nous avons besoin d'asphalte. C'est genre d'éléments. Nous avons besoin de matériaux. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de jeunes, nous avons besoin de jeunes filles, jeunes garçons pour nous faire formation pour eux. Parce que ce n'est pas les grands monde qui travaillent. Les jeunes, c'est les jeunes qui travaillent, pas les grands monde qui travaillent. C'est pas les jeunes garçons. On est chargé les jeunes garçons dans la rue. Chargé les chauffeurs moto, chargé pas les jeunes garçons dans la rue. Ça peut bloquer la rue, ça peut faire toute qualité de bagaille dans le pays. Vous comprenez? Ça veut dire là, il y a une autre façon de nous utiliser. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est là nous voulons. Ça veut dire l'objectif là, c'est créer, arranger nous pour nous écrire des projets, pour nous frapper pour des ministères qui concernaient, par exemple, le ministère des Travaux publics, EDH, surtout dans la question insécurité, nous avons besoin d'un lampadaire, nous avons besoin de support EDH en pile, nous avons besoin de support n'importe quelle autre institution qui a aidé nous, comment nous avons joindre des moyens pour nous électrifier. Dans le cas concret, quelle nouvelle stratégie que nous prévoyons employer pour que nous sortions en bon gens, agents intérimaires, donc même si le cas concret, c'est toutefois ça que nous tout demande nous faire au pata agréé et faut que nous travaillons parce que nous déjà et dans tête commune donc qui ça que nous même nous penser faire si nous partageons tout matériel que nous prévoyons. Donc si c'est pour passer la passer alors il y a des informations et m'apprendre que il y a des alors comme nous beaucoup rentrer en fonction et ce maintenant parce que n'a pas fait un bon chita pour nous faire un inventaire pour nous voir qui ça qui gagne parce que c'est en fonction de ça nous gagne pour nous faire chita pour nous dire mais qui ça a fait. Mais en conclusion magistrat de Julia en tant que jeune magistrat qui va l'occuper comme une guerre de bouquet, il y a un message pour les gens qui vivent à l'extérieur et il y a un message tout pour les gens qui quittent quoi de bouquet de longue date car habiter on le peut dire par rapport à quoi de bouquet qui est habité contre les Rennes et Belleville et la Pillée et même au niveau international et il y a un message pour les gens parce que il y a qu'à retourner la caillou, est-ce qu'on espère de confiance qu'il y a qu'à retourner la caillou avec un sentiment de joie. Ok, bon, ma prête un passage dans la Bible là, parce que au commencement, l'Éternel Dieu t'a créé la terre, c'est pour l'homme qui a aménagé pour vivre. Ça veut dire, quel que soit côté à nous, ça veut dire, nous, depuis nos jeunes moyens, nos jeunes matériels, nous là pour nous aménager. Parce que le domaine, moi, c'est construction, c'est aménager. Et dis-nous, non, en tant qu'agent municipal, c'est deuxième mairien. Mais niveau sécurité, est-ce que nous avons un plan déjà, nous déjà chita sous lit pour toute population? Si oui, c'est comment ça y est? Plan de sécurité à qui ça lie? Plan de sécurité à pour commune, c'est qui ça lie? C'est investissement qui nous vient dans la commune. Ça veut dire que nous avons besoin de grands investisseurs. Par exemple, si nous regardons, il y a des grands hommes qui passent dans la commune. Par exemple, si nous ne voulons pas citer trop de monde, par exemple, nous avons par exemple Wyclef Jean, c'est petite commune. Ça veut dire Wyclef Jean son grand artiste qui passe de présentation. Ça veut dire qu'il y a des supports. Ça veut dire qu'il y a des cabayes. Sans nous pas obliger de passer par aucune institution étatique. Il y a par exemple un grand artiste comme ça qui paye. Par exemple, si nous cachita ensemble un artiste comme ça, par exemple, il y a des matériels, si le café nous joue, parce que c'est petit communal, si le communal pas de l'exister, pas d'exister, parce que c'est pour du communal. Ça veut dire nous pas obligé, c'est seulement institution étatique. Il y a des grands citoyens dans la commune qui décident de collaborer ensemble avec nous. Pour nous travailler, nous décidons de travailler avec qui couche. Voilà, dans ce sens, nous avons répertorier les ressources humaines pour que nous-mêmes nous allons travailler. Nous travaillons sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Non, normalement, nous disons grand merci et nous souhaitons succès et nous souhaitons bienvenue dans la commune de Guadeloupe. D'accord, merci. Je vous remercie. Un gros coup de chapeau pour tous les messieurs dans la Rio, pour tous les élèves de l'école, parce que quand ils élèvent l'école, ils font des points. Et il y a un grand collège de marins, il y a un grand base de marins, il y a un Cafoumier, qui sont grands bases. Ça veut dire que nous avons un pile de jeunes qui ont un pile de nous. Ça veut dire que nous décidons pour nous travailler, mais nous avons besoin de moyens pour nous travailler.
D'accord, merci. D'accord, merci.